action ça prouver que pas rien qui plus important pour nous que Haïti. Pas pour exemple qui clair et qui simple. L'homme on gagne des goudins. Importance l'argent c'est le servir l'autre monde, c'est aider l'autre monde vivre. Mais c'est pas là où prendre ou mettre l'autre côté ou faire carré bancou. Mais auteur et puis pendant ce temps ou à vivre dans classe, ou à vivre ou gagne tout quatre problèmes environnement pas bon et l'argent ça qui sont fait avec ou prendre ou à jouir dans l'autre pays, côté que c'est étranger qui a bénéficié de l'argent. Donc nous-mêmes, nous disons, pas de plus important pour nous que Haïti. Voilà, et nous disons tout, il faut nous faire effort pour l'image négative que nous avons de Haïti pour nous changer. Et pas que ça, non seulement ils sont pas d'attraction, qui va permettre que nous reconstituer ça notre carré la famille un espace côté que maman petite ça me t'a dit papa capable venir pour détendre mais nous va offrir de l'autre chose encore nous va offrir tête nous un programme d'éducation qui va permettre que nous travaillons avec les gens de la communauté monde qui dans environnement nous là la fossette qui tout près nous là le télescope qui tout près nous là ce sont des citoyens et c'est eux qu'Haïti a Haïti c'est pas moi c'est pas vous seulement c'est tout le monde ça yo. Il faut que nous créions possibilité pour que les gens autour participer et comprendre la nécessité pour attacher avec l'espace côté à vivre, côté à évoluer et pour permettre que nous portions des contributions par autour dans changer pays. Là, on monte là, regardez la quantité de fatra qui vient côté l'État. Donc, communauté, citoyens, n'a pas le travail avec eux pour apprendre à mettre ça au gain. Au changement d'époque, tout haïtien te mette ensemble, yo te lave Port-au-Prince. Moun mette salon dans la rue. Mais yo pas de payer personne pour ça. C'était volonté. Moun yo besoin seulement un signal qui voye pour montrer que de moun qui croit, qui remet, qui vle. Et puis yo même reste bagala y'a fait. Et nous croyons ça possible pour le cap haïtien. Ici, il n'y a pas seulement des jouets, mais il y a un bel restaurant derrière là tout. Nous avons demandé à moun yo, nous avons travaillé n'importe 3000 plats par jour. Nous avons un restaurant que nous build qui a une capacité pour bailler 3000 personnes manger là. Et c'est ça, ce toit là, et c'est un premier dans tout le pays. Hein. Et même aux États-Unis, ça nous a là comme restaurant mobile, c'est le plus gros. Okay. Et ça fait nous avoir plus de difficultés pour nous rentrer ensemble avec nous. Donc, c'est réflexion, nous, c'est rêve nous. Parce que si pas de rêve, pas qu'à gagner la vie, pas qu'à gagner l'avenir. Parce que l'avenir, c'est autour des rêves qu'on construit. Et je vous dis, en plus, le monde te pense que c'est rêver, nous t'as rêvé. Mais rêve-là, il commence à tourner réalité. Et nous avons d'autres rêves encore. Et ça nous saute contrôle là, en termes d'image. Ça nous saute contrôle là, comme vidéo. Ce n'est pas seulement un rêve, mais c'est un rêve qui a tourné réalité dans peu de temps encore. Alors, il y a plusieurs journalistes là qui souhaitaient poser des questions avec M. Walson. Ça, nous capables. M. Sanon, là où. Ou parler de réalisation projet là, je pense qu'il y a un pile d'amis qui a suivi là, qui t'a remis, qui a une idée de pour combien ça coûte nous pour nous réaliser un travail énorme ça dans si peu de temps. Comme tout, si nous regardons le coût estimatif projet ça, il est très difficile pour nous dire que le projet a coûté nous tant. Si je prends bon ensemble de dérives, de dérivés par rapport à force humaine, déplacement et monter avion en fait chaque semaine, aller aux États-Unis, retourner ici. Hein. Et là, nous regardons cotisation, contribution, les gens qui sont dans la communauté à côté, espace là, que nous transformons en peu de temps. Ça, même nous-mêmes, si nous t'apprenons nous écrire, nous avons commencé par poser tête une question, est-ce que vrai nous t'a obligé à avancer là? Nous banaliser, nous minimiser. Mais maintenant, si nous prenons en termes de chiffres réels, machine qui est là, nous avons des machines qui sont gardées là. Machines qui sont gardées là. Écoutez nous 350 000 dollars. 350 000 dollars. Dollars américains. Écoutez. Parce que toutes machines ça. Toutes machines ça, c'est des machines que nous build. Nous devons tout profiter, font des visites en fonction de, en fonction de réalité pays. Donc, machines ça. Ok. Sont machines qui coûtaient nous. Plus de 200 000 dollars. Machine ça n'a pas gardé là. C'est un avion que lui. Donc, dans l'ensemble, si je regarde par rapport à ma, nous capable de dire, en gros, c'est pour nous arriver à faire là, nous dépenser en moyenne plus que 3 millions de dollars. Pour nous arriver. 3 millions de dollars américains. Pour mettre ça là, en termes de matériel. Parce que, faut me dire, nous gagnons, nous utilisons seulement 45 à 50% matériel que nous gagnons.
Donc okay. Nous avons deux matériels là que nous pas qu'à utiliser, nous avons deux jouets que nous pas qu'à mettre parce que espace est trop petit. Ça nous t'a voulu faire. C'était prendre un plus gros espace par exemple zone quartier Morin. Mais grande tradition dans le nord. Mono cap pas déplacer vraiment à rien dehors. Et c'est ça qui fait nous partis de échantillonnage ça là pour créer l'enthousiasme la caille Monio et pour pouvoir permettre que puis devant dans ce parc aquatique que nous pral peut-être mettre Chita très probablement dans la zone avoisinante du cap haïtien le ça n'a pas capable de compléter avec ensemble de matériel pour en prison mais cap garder là tout et dans pile monde dans l'autre ville la pas jaloux qui va venir sera seulement au cap puis dans son niveau de pression next c'est placé pour côté lui donc bonjour. Nous avons un pays qui est malade. Nous avons une société où Haïtiens démissionnés. Côté que Haïtiens pas croient en Haïti encore. Nous-mêmes, nous voyons ça, c'est pour créer des. C'est un incitatif pour taper la caillou le sens du patriotisme. Pour nous montrer que il y a une possibilité de bagaille qui a fait. Donc, développement n'est pas qu'à faire peut-être sur tout un pays en même temps. Nous adopter une zone stratégique qui c'est le nord pour plusieurs raisons et nous avons fait tout effort possible à partir de l'intelligence nous, à partir de capacité que nous gagnons, à partir de minimum ressources que nous gagnons. Nous mettons dans un plan pour nous peut-être maximiser côté que nous focus sur le nord. C'est vrai nous gagnons de consultations que nous avons fait dans le sud, nous avons un espace qui est déjà prêt. Nous gagnons jouet si nous avons fait tout jouet ça à rentrer. Qui t'a permettre que nous ouvrions un parc comme ça. Au CAI, nous avons ouvert une peut-être sur la frontière, qui pour moi c'était une zone de priorité. Parce que nous avons un défi pour nous aujourd'hui. Parce que si on a vivre comme haïtien, dit-nous ça nous voulait, n'est pas possible. Donc, nous n'avons aucun problème avec la République dominicaine. Mais nous disons tout, nous avons un devoir, ou tout au moins, nous montrer que nous n'avons pas gagné la CAENO que de Brasseros. Nous avons la CAENO des Haïtiens, des citoyens okay. Qui sont capables okay. Nous allons finir, mais nous n'avons pas qu'à parler avec M. Walson Sano. Ça ne va pas parler politique, parce que tout le monde qui est même si vous connaissez comme entrepreneur, même si vous avez tout votre chapeau, mais vous d'abord connaissez son homme Jabol. Politique. Vous connaissez d'abord son homme politique. Et ça, c'est Jean-Paul Joseph, même si il y a ça avec Jean-Paul Joseph, que c'est un partenaire. C'est le builder. Alors, c'est le leader, hein. Et M. Walson Sanodil, de tout ça nous est là, je dis de tout ça, la CAI Funworld représenté pour Cap Haïtien et pour représenter le pays comme destination touristique, mesdames, messieurs, nous est déjà. Donc nous comptons parallèlement avec vous, mais on a posé une dernière question avec M. Walson Sanodil, parce qu'il est là avec nous quelqu'un pour nous commencer avec vous. Rapidement, parce que au lieu où investir à l'étranger, je ne sais pas si on est sous des investissements à l'étranger, mais quand même, où venir là, où non seulement faire politique dans le pays, mais tout où investir l'argent là. Qui signale que vous voulez voyer, bah, moun sa aussi, tout qui j'en ai sanctionné par enseigne de pays, que l'argent est obligé de rester dans le pays. Ça, ok? Donc, moun sa qui pratiquement bloqué dans le pays, qui signale que vous voulez voyer dans le pays? Bon, si elle est clair, et peut-être. Ce n'est pas la première fois que nous avons une question ça. Mais ce qui est important pour nous, la question de sanction, moi-même, je banalise à un certain niveau. Okay. Je ne vais pas approcher même avec tout le monde. Okay. Je regarde le côté positif et le côté négatif de sanction. Il y a un bagage qui est positif que moi-même, je tire la question de sanction. C'est parce que je voulais vous dire, mon équipe n'est qui sanctionné. Le véritable problème, c'est parce que si on va être fait mal, ils mettent la tête au camouille parce que pas un bon hôpital en Haïti. Voilà. Donc, c'est ça, nous-mêmes, nous estimons qui est positif. Sanction 1 fait que
tout au moins qui est capable de permettre que de monde qui a fait politique dans le pays, pour prendre conscience, pour reconnaître que les ressources paysans, ils peuvent investir dans le pays pour permettre que eux-mêmes, tout qui a dirigé le pays, sont capables de rester dans le pays. Tout à fait. Ça qui fait nous mal, c'est parce que, vous venez aujourd'hui, le pays est détruit, le pays est écrasé. Et nous comprenons tout, quantité de monde, qui a quantité d'argent. Et l'argent, ça y est, pour côté au souci. Comment on peut. Donc, merci. Question sanction pour nous-mêmes, nous ne pas rentrer là-dedans. Et pas la Kaifon Wall, c'est un outil, c'est un investissement, c'est des hommes d'affaires qui font ça. Ce qui est important pour nous, la plus grosse politique qu'on fait, c'est aider les gens à vivre et permettre que nous reconstituer la famille. Parce que là, où est papa, où est maman, où est son espace, nous, côté entre citoyens, nous sommes capables de discuter, nous sommes capables de dialoguer, nous sommes capables de partager, nous. Ça vient de faire une certaine convivialité qui partage entre nous. Ce que nous avons besoin, je ne vous dis. Parce que il est le temps pour nous sortir dans la déchire, dans la politique de nous manger l'autre, non, qui fait que nous représenter, ça nous est carré tout le temps. T'as dit aux yeux du monde entier, nous, on quelque chose okay. Que peut-être pas dit. Voilà, très bien. Nous interview à Dieu, peut-être c'est parce que c'est toute une émission qu'on a enregistrée là depuis Cap-Haïtien pour Haïti, dans bon timamit, modèle FM, qui a certainement tout partagé dans l'autre média, Vision 2000, etc. Donc nous parlons qui tout le président pour parler avec Jean-Paul Joseph. Tout samedi, nous engager Jean-Paul à 100%. Très très jeune, il a certainement besoin comme si parole bon, comme pas, message. Pas si jeune, pour... très bien. Donc c'est un bambou tout. C'est un tandem. C'est deux hommes de peut-être avec une certaine différence d'âge. Mais avec une seule vision. Très bien. Vision, c'est vivre faire Haïti. Nous, Haïti, que le DIE, il y a peut-être 100 ans de cela. Voilà. C'était une référence. Je ne vous dis, il est le temps pour nous retrouver. Fierté, nous gagnons dans le temps. Et c'est ça qu'on a fait. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous prenons toute initiative, ça. Nous prenons toute risque, ça. Parce que Jean-Paul Simdou, il fait peut-être plus de 30 voyages là. Parce que moi-même, assez souvent, je me fais à Port-au-Prince. Je me retourne là. Mais Jean-Paul, les autres là, c'est aux États-Unis, c'est en Chine d'aller. Pour permettre que nous te fait ça. Et pas seulement ça, me dit nous. Parce que plus gros projet, maman Pemba, la Pemba. Voilà. La okay. Et 2024, on va nous garantir rendez-vous ferme. N'est-ce pas, Jean-Paul? Voilà. Merci. Bon bagage. Ok, merci à tout le monde. Et passe nous parler de question que nous avons besoin encore. Sinon que Ariel monté au conseil de transition avec trois mounes. Un peu monde estime que c'est tes amis parlent. Ou même ces fondations là, comme ça là, c'est la Kaifon World. Mais tout nous a parlé pour en force pour Haïti. Donc, comment vous avez question au conseil de transition rapidement? Écoute, pour qui tu aller parce que très facile. Écoute, ça, question ça tellement important, m'obliger à dire un bagage. Voilà, très parce bien. Parce que ça, il y a l'affaire. Je m'a posé une question, est-ce que monsieur est un conseiller? Et deuxième question, m'a posé, est-ce qu'Ariel est un haïtien? Est-ce qu'il est conscient de la situation du pays à aujourd'hui, dans sa nuit là? Donc, c'est grave. Le long contexte aussi particulier que nous là-dedans. Côté que le pays a une crise qui a déchiré depuis tout le temps que nous connaissons. Et nous tous croyons, et nous tous d'accord à l'unanimité, où nous seuls gens pour résoudre le problème, ça, sont minimum d'entente qui peut joindre avec les acteurs, avec les Haïtiens. Mais par contre, là nous prenons Ariel, qui de fait tient le pouvoir, et garde ça le fait, sans honte. Gardez ça qui passe là. Qui est-ce moun qui signe accord avec Ariel? Qui entité politique qui signe accord? Qui est-ce moun qui là? Gardez, t'es un conseil, au conseil de transition qui était supposé gagner là-dedans. 5 moun. Nous jouons 3 moun. Mais sur qui base 3 moun? Mais gardez 3 moun pour eux. Madame Maniga, pauvre. Un moun que nous tous aimons, qui a plus de respect. Mais par contre, nous sommes obligés de prendre le niveau que lié. Il veut nous sacrifier de plus. C'est vrai, à son âge, je pensais que pas grand chose. Mais quand même,
un minimum, de toute une quantité d'efforts qu'on fait, de toute une histoire qu'on construit pendant toute une vie. Mais nous trouvons que c'est une erreur grave que Madame Maniga prend toute histoire, je ne vous dis, lui mettait, il va Ariel cracher sur lui. Et c'est grave. Donc, ça fait là, c'est un projet d'Ariel qui a une seule finalité. C'est pérenniser, Santé Kadi, l'assassinat de Jovenel, c'est pérenniser le coup d'État, entre guillemets, et qui enfonce le pays à plus la mauvaise situation que lui. Et c'est un mode, son façon pour renouveler Santé Kadi. Vieux politique qui était faite depuis longtemps, qui va mener nous, peut-être un an ou deux ans plus tard, dans la même situation de violence que nous là-dedans. Là. Parce que ça qu'a fait la seconde élection faite, la toujours élection contestée, vrai problème pays. Hein. Pas poser question gouvernance, pas poser question corruption, pas poser élection. Oui, mais avec qui est-ce? C'est parti politique ou pas l'élection? Bon, là, on fait bagarre, on fait avec des amis, des gens qu'on constitue, on prend des jeunes, malheureusement, qui peut-être qui sont déceptions pour nous-mêmes qui jeunes, qui t'a parlé de jeunesse tout le temps et qui croit que pour renouveler la classe politique, ça, on a besoin que la jeune. Mais on a regardé des jeunes garçons qui, je vous dis, ont prostitué tête encore pendant qu'ils allaient rentrer dans une démagogie de ce genre. À un moment où le pays a besoin d'un seul bagage, le pays a besoin d'un minimum d'entente entre les citoyens, entre les acteurs, entre la classe politique, pour nous offrir, Santé Karelé, un espace de pouvoir qui est fiable, qui est viable, côté que vrai problème, yo capable d'adresser. Donc, moi-même, moi crois que ça qui passe là, nous, ouais, Ariel, ça le fait, il m'a demandé intervention pour permettre que lui-même est capable peut-être de rester dans le pouvoir. Mais pas rien de pays qui a réglé, c'est l'affaire, c'est la politique d'Ariel. Donc, en fait, pouvoir, c'est qu'on s'allie, nous tous connaissons pouvoir, son bail mystique. Nous s'était dormi, bien dormi. Il joue nous Satan, un gardien qui dit mon cher, mon pouvoir. Bah oui, puis il dépend. Et puis, adelante. Mais par contre. C'est Ariel Lirele tout. Comme c'est Ariel Lirele, elle lit la Bible, n'a pas qui ça. Ariel Blédi. Ariel Blédi. Donc par contre, moi-même, ça, on a fait là, c'est là-dedans nous quoi. Et c'est dans le pays à nous quoi. Nous n'avons pas besoin de job dans Ariel. Nous besoin tout simplement pour Haïti voir l'autre image. Nous besoin d'un groupe citoyen. Un groupe responsable qui pour prendre pays, hein, qui pour mener pays hein, à bon port. Parce que Haïti n'a pas qu'à mourir. Haïti doit continuer à exister malgré tout. Et je dis nos bagages. Nous venons au moment journée aujourd'hui. Même si c'est contre volonté tout haïtien, changement fait inévitablement. Haïti n'a pas qu'à continuer dans sa vie là et nul pas qu'à descendre plus bas. Très bien. Merci un peu en tout cas. Date 23 décembre 2022 à la prêté. Ouais. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle pour nous. Toutes garçons qui connaissent des problèmes bonnes, toutes femmes qui connaissent mari ou des problèmes bonnes, n'est pas qu'à satisfaire, eh bien, mes amis, problème nous résout. Zest of Moringa pote un nouveau produit pour nous qui c'est Kebon Ultra. Avec nouveau produit ça, en vérité, toute question, pas de bon, toute question, pas qu'à satisfaire madame ou après humiliation, après coup de bec, après déception sur Kebon, n'a pas fini. Avec seulement yon comprimé, on prend 30 minutes avant d'entrer en relation sexuelle avec madame ou en vérité, quand ta femme n'a pas satisfait à ces brises. Ou même qui besoin de produire, on a toujours écrit pour plus d'informations dans 3896 3819. On a besoin de toutes informations, toutes données, toute fiabilité produit sans gratter. Et en vérité, le problème, ben, on a tout résoudre avec une petite crasse monnaie.